Bravo Toulouse! On part 3-4 jours pêcher le requin à Arcachon. Et qu'est-ce que j'apprends? Le TFC a gagné 2-1 contre Bordeaux. Non, mais faut garder la tête froide. Contre Bordeaux. Alors ça, c'est autre chose que de jouer aux boules! Au lac de la Ramée, un gamin de 20 ans se masturbe devant une joggeuse. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Non, mais ça va pas, non? T'as rien d'autre à branler pendant les vacances? En septembre aura lieu la Duck Race. C'est une course de canards en plastique pour la bonne cause. Hein, des milliers de canards en plastique seront déversés dans la Garonne. Du coup, Clara Morgan veut s'inscrire. Faut juste lui dire que les canards en plastique, ils vibrent pas. Moi, j'ai deux potes qui sont baignés cet été dans la Garonne. Bah, ils vont pas mieux. Uniquement. Ah, j'ai lu dans Actu Toulouse, oui, parce que j'aime bien ce site, je sais pas si j'en ai déjà parlé. J'ai lu que trop travailler ne boosterait pas une carrière. Hein, qu'il faut lever le pied. Bah non en fait, non, là je vois pas. Et enfin ça c'est une bonne nouvelle, un nouveau resto tapas tenu par deux associés sourds et muets vient d'ouvrir à Toulouse. On pourra manger mais aussi apprendre la langue des signes. Alors là j'ai juste envie de dire quelque chose, enfin j'ai envie de signer quelque chose. Ah oui, et c'est le retour de la canicule dans la région, hein, donc buvez de l'eau. Bah attends, excuse-moi mais t'es en faux raccord. Non. Vous avez été nombreux à partager les deux dernières vidéos, donc merci. Alors si vous voulez rien rater, bah, y a une chaîne YouTube. Voilà, c'est sur Internet. Alors, pour les Ariégeois, Internet, comment vous expliquer? Oh non!